Waouh, oh là là, comme c'est beau. Oh là là, mais... Ah ouais, puis alors celle-là, c'est un gros morceau, quoi. Celle-là, elle est balèze. Ouais. En plus, on va l'aveugler, on va se la prendre dans la tête. Bon, alors là, c'est très très dur de faire des images. Oh là là, mais c'est Là, vraiment... c'est la science qui gagne. Paillettes, en fait. Hyper jaune. C'est une heure pailletée, là. En fait, c'est des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau, hein. C'est des gouttes d'eau avec la lumière qui... Ouais. Ouais, c'est trop trop beau, quoi. Super beau. Voilà, la source, elle jaillit là-bas, là. C'est le point qui est lumineux, là, au milieu de l'écran. Pas facile à voir. C'est magnifique, on dirait une bouche. On dirait une bouche et c'est une vraie piscine. Punaise, mais ça donne vraiment envie de se baigner, quoi. C'est dans ce système de pompage qui alimente le château d'eau. Le château d'eau, là, il est au-dessus de notre tête. Allez! Ah, super! Là, la pompe, l'ancienne pompe qui alimente le château d'eau, alors. Qui n'est plus en service depuis. Depuis, je ne sais plus combien de temps. D'accord. Bon, alors, je ne suis pas monté en haut du château d'eau, mais je suis en dessous du château d'eau. Donc c'est déjà pas mal, hein. C'est pas mal. Elle, ça fait combien de profondeur, vous savez? Non, je sais pas. Moi, je sais pas, avec les anciens, pourrait peut-être le dire, mais... Ouais, il va y avoir peut-être le feu, peut-être le problème, bah, j'imagine, ouais, ouais. Je stretch, ouais. Oh là là! Incroyable! Ça, c'est super beau, hein. Merci de m'avoir fait découvrir ce lieu, parce que franchement... Je suis trop content. Ah ouais, il est magnifique. Et l'eau, elle est limpide là, mais c'est étonnant, hein, cette couleur en plus qu'il y a là. Ah, avec le sol calcaire, en fait. Ouais. Bon bah les amis, ouais, si je suis le faisceau lumineux de Vincent, on voit bien qu'elle est verte en fait cette eau, un vert bleu magnifique. Très dur de vous la montrer en image. Sinon bah, les petites bébêtes qui vivent ici, elles sont quand même bien tranquilles. Hein. Bon à part la chauve-souris qui elle va raconter à toutes ses copines qu'elle a vu deux énergumènes. Ouais. L'autre c'était un gros morceau. Hein. Ouais, on a rarement vu des grosses comme ça dans le coin en tout cas. Bon ben voilà, on a vu cette superbe grotte aux fées. Là pour le coup, là je pense que c'est vraiment un super cadeau de lui avoir fait visiter cette grotte là.